Salut à toutes et à tous, c'est les Visions. On se retrouve pour la suite de Road to Division 1. Bon, alors je pense qu'il y aura peut-être du retard dans les plots parce qu'à cause des serveurs IA qui n'étaient pas disponibles ce matin, et en plus que j'étais à mon cours de code de conduite, pardon. Je pense qu'il y aura peut-être un petit retard dans l'upload, mais je pense que ça sera pas non plus très très gros. Bon, passons, enfin bref, allez on y va, on continue cette division 4. Pas avec cette équipe, rassurez-vous, on va reprendre notre BPL. Voilà qui est fait, on va vite regarder les QI. On va essayer de faire vite hein, quand même. Ouais, il n'y a que les deux couillons au milieu de terrain. Alors, je rigole en disant ça, hein, c'est pour rire. Alors. Ça me saoule qu'ils retiennent pas les postes. Tiens, on va tester Paulinho, que j'ai eu dans des packs. Je crois que c'était le gratuit ou je sais plus. Ou le 100 000, je sais plus. Bon, tout le monde est prêt? On y va. Allez, on va chercher un premier adversaire sur deux. Comme d'habitude, 2 matchs par épisode. Ok. On va prendre ça. Allez, allez. Allez, alors son équipe c'est... Serie A hybride espagnol Liga BB. Oh là là, c'est du n'importe quoi. Voilà, moi j'appelle ça équipe n'importe quoi. Alias hybride. Et c'est parti. Allez, vas-y. J'ai l'impression que ça bug, je sais pas pourquoi, mais j'ai une petite impression. Oh. Oh. Ah. Ah ouais. Ah. Hop. 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 Pas. Bon, tant pis. Hein. Oh. Ah, chiotte. Bon. Qui ne tente rien à rien, hein, mais bon. Pour l'instant, c'est mitigé, hein, mais bon. Espérons quand même marquer un but. Déjà. Ah. Ouais, j'ai essayé de me concentrer énormément là quand même. Et cours, et cours. Chiss. Ouais, mais faut pas courir de ce côté. Côté gauche, enfin côté droit, pardon. Enfin, côté abatté quoi. Faut pas courir côté abatté, ça sert à rien. Abatté trop rapide. Philippe Luis il l'est beaucoup moins, donc je pense qu'on va plus passer côté Philippe Luis que de l'autre côté. Oh le coup je... Bon. D'accord. Enfin, j'ai rien contre les équipes Ribéry, j'aime bien, mais bon, là, la sienne... C'est un peu de tout, j'ai pas trop compris. Il y en a encore, ça va, il y a des hybrides sympas à faire, mais celle-là, là, c'est la sienne. Je sais pas, j'ai pas trop capté ce qu'il voulait faire. On va pas faire des terrains un peu plus larges encore. Ça serait peut-être plus pratique, je pense. Je rigole. Ben corner. Heureusement que le goal l'a pas arrêté. Nous l'a fait quoi lui là? Et l'abruti qui devait être là n'est pas là. Et oui, bien sûr, l'arbitre à la con. Et là, il n'y a rien, hein, comme par hasard. Je sais pas, mais mes joueurs ils sont lourds ou... Oh, qu'est-ce qui se passe encore une fois? Ouais, on a du bol. On a du bol. On a du bol au bol. Bah. Et sa mère la pute. C'est un... Déjà, il y a un truc qu'on va faire, c'est... Putain d'écran de merde. Voilà. Hein, avec tes stries au milieu de l'écran, comment ça me saoulait déjà. Deux. L'autre, il... Enfin, hier, là, ils vont aller un peu déconnecter 2-3 personnes, là, parce que, bon, moi, ma connexion, elle est à plein. Ouais, c'est du 50 mégas, les gars. Donc, je sais pas. Des fois, ça a l'air d'aller, des fois, je vois, bizarrement, ils s'alourdissent, mes joueurs. Bon. De toute façon, on s'en bat les couilles. De toute façon, on va perdre. Ce match, il pue. Le mec d'en face, un machin, là, de je sais pas d'où il sort, là. Bizarrement... Il a change de pot de cocu. Hein, bah bon. Passons. Mais là, te faire enculer. C'est bon. Il y a des buts qui sont mis avec des hors-jeux géants de 4 km. Hein, et là, je sais même pas s'il y avait hors-jeu en plus. J'aurais dû regarder. Hein, et là, on s'y est bizarrement. Hein. Tout va bien. Oh là, va te faire foutre, connard. Voilà, c'est qui le patron ici? Fais pas chier. Voilà, j'ai trouvé cette technique tout à l'heure. Je m'entraînais en carrière parce que comme les serveurs ils étaient en panne, j'avais envie de jouer et voilà, j'ai testé cette nouvelle façon de faire les centres. Qui avec l'équipe que je faisais, ça marche à moitié et là, ça fonctionne. Hein. Bon, pas tout le temps. Allez, j'ai trouvé. Quand même. Allez, on repart. Oh. Ok. Allez. Par. Et ta mère la putain. Allez arbitre, qu'est-ce qu'il va nous mettre? Rouge, rose, vert, noir, allez rouge, allez bien sûr, allez. Allez ta soeur la quéquette, toi. Depuis tout à l'heure il a que du bol. Ah, pour moi, il a pas le droit de le marquer celui-là. Aucun. Et ta mère la pute. Ah ouais, fais ce que tu veux, hein. Fais ce que tu veux. Je vais sortir ma botte secrète et puis voilà, et tu l'as dans le cul. Allez. Voilà, puis c'est tout. On va utiliser la nouvelle technique, hein. Plus haut, attends, je me la fais mettre dans dans les fesses, et bah je vais lui mettre aussi dans les fesses. Hein. Se battre. Voilà. C'est bon là maintenant. Putain. 400 kilos mes joueurs. J'ai l'impression d'avoir des joueurs de 400 kilos là. Des parpaings. Je sais pas. Devant ça va à peu près, mais derrière on dirait que j'ai des parpaings. Non. Lui, hop, tranquille. Voilà, 15 ans pour faire quoi que ce soit. Et ça a le droit de gagner, ça. D'où? Voilà. Ouais. Moi ça marche plus. Enculé des tours. J'ai même plus envie là. Non, non mais... Allez. Allez, moi c'est au-dessus comme par hasard. Passe, enculé, passe, on s'en fout, putain. Oh là là. Pff. Bah oui, amuse-toi. Gros bâtard, ouais. Il mérite pas de gagner, là. Avec ce qu'il fait là, moi, il a pas le droit de gagner. Tout ce qu'il mériterait, c'est un banni à vie de FIFA, et puis voilà, c'est tout ce qu'il gagne. Allez, putain. Lui, comme par hasard, tout ça est l'un triangle, ça marche parfaitement. Les frappes, elles rentrent miraculeusement toutes seules dans les cages. Alors que j'ai Setch. Voilà, quoi, il y a un petit problème quand même. Hein. Moi, j'ai quand même Eto, cadre pas. Benteke, cadre pas. Voilà. Allez, sors-le, ce fils de pute, là. Sors-le. Voilà. Moi quand je fais ça je prends des rouges direct. Non. Bon. Ouais. Fais n'importe quoi, il a le droit de gagner. Si tu veux. Et voilà, merci à Cinématique, même moi je me mets à faire n'importe quoi. Non mais vraiment faudrait qu'ils empêchent les cinématiques d'être passées celle-là, comme ça au moins on arrêterait de faire des conneries. Ouais. Bon, match de merde, commence bien, hein. On commence contre un adversaire qui a que la chance, l'arbitre, tout avec. Moi, pour moi, un véritable adversaire, c'est quelqu'un qui fait, je sais pas moi, qui s'amuse, qui joue pas sa vie, quoi. Qui fait du skill, mais du vrai skill, pas les petites roulettes que moi aussi je fais de temps en temps, les petits trucs là, je sais pas, là, le ballon, comment l'expliquer là, espèce de crochet stylé là. Voilà, quelqu'un qui fait des arcs-en-ciel, des virgules, voilà. Moi, pour moi ça c'est un adversaire. Enfin un adversaire où au moins si tu perds contre lui, bah... Tu pouvais, voilà quoi, le mec il a mérité de gagner quoi, il te domine, voilà quoi. Alors que bon, voilà quoi, chance, l'arbitre il y va fort quand même, Koscielny je pense, enfin de loin, après c'est de loin, après la caméra des fois elle est trompeuse. Hein, Koscielny il a pas touché le gars mais le ballon avant, hein. Normalement la règle c'est le ballon d'abord, après si même le joueur est touché il n'y a pas faute quand même. Bah bon après, chacun son interprétation personnelle de la règle. Bon. Alors, faut que je change toi. Mais non, non, pourquoi je mets lui alors que j'ai sur le. Enfin après Steven, moi tu m'as saoulé grave, hein. C'est bon, tu m'as... saoulé. Communément, comme on dit, saoulé. Peut-être qu'un jour, si je teste sa version boost, je serais peut-être content. Elle sera peut-être, je pense, meilleure, ouais. Enfin, après, ça dépend. Il y a des versions de joueurs qui sont bonnes et des fois... ouais. Putain, à chaque fois, on est obligé de... Il pourrait pas laisser, voilà, genre, la recherche activée. Quoi, t'es sérieux? Mais non, mais qu'est-ce que... Ouais. Oui, c'est vrai que toi... Voilà, la forme. Parce que bon, après, c'est pas folichon derrière. Ouais, peut-être qu'un jour, je m'achète un vrai... Enfin, un vrai remplaçant. On va peut-être mettre... allez, on va... Allez, pour l'épisode, on va aller s'acheter un petit joueur. Entre deux. De toute façon, on a le temps. Voilà. On va aller... trouver un BU... Alors, on va voir ce qu'on a. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Lukaku Up. Ah ouais. Ah bah tiens, on va essayer de se trouver un Lukaku Up. Attends. Allo Kaku Up. Trop. Ouais. Combien que ça vaut hein? Je peux vraiment... Attends, est-ce que les prix au moins ils remarchent? Parce que bon, quand ils buggaient... Ouais, ça bug toujours. C'est... On peut même pas mettre les prix quoi, c'est n'importe quoi, ça commence à me saouler ça, ce vieux bug là. On peut même pas utiliser les prix quoi, c'est vraiment... Je sais même pas combien est-ce qu'il pourrait... Allez, voilà. Putain, mais ta mère de trucs recherche. Voilà, et comme par hasard, on en trouve. Non, mais... Je te jure. Mais il n'y a pas un couillon qui met des vrais prix? Bon bah on va prendre ça hein. 1100 crédits pour moi, je trouve que c'est pas cher. Voilà. Bon, allez. J'espère que cette fois-ci le deuxième adversaire sera un peu moins embêtant. Je pense, hein, j'espère quand même, hein, j'espère. J'espère que la chance aussi elle va un peu revenir là, c'est quoi ce bordel là? Poligno pour l'instant c'est pas folichon, hein. M'a pas montré énormément de choses. J'espère qu'il va me surprendre. Allez, appuie. Ouh. Allô. Oh. Ah, enfin. Alors, qu'est-ce qu'il va nous sortir encore? Ah. Youpi, quelle originalité. Une BPL. Vidic champ défense. Un jour je penserais peut-être me le prendre. Et gros, ton senti il est MOC. Allô, refais ta compo. Ok. Je sais pas. Bon, tant pis. Sur le... Oh. Oh. Ça... Allez, on va essayer de se concentrer pour arrêter de faire un peu n'importe quoi aussi. Ah, sérieux, tu fais un truc stylé, Lukaku, fais-le bien jusqu'au bout quand même. Pas une bicyclette qui partait bien et qui finit en vieille brique, en vieille bricasse. Dans les pigeons. Allez, ça bug, mais putain, mais... Oh, mais les serveurs, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Oh, putain, pourtant ma connexion elle est à fond là. Oui, oui Cabaye, oui Cabaye. Toi être abruti, tu tires cage vide dans le goal. Achète-toi un cerveau Cabaye. Je sais bien que c'est moi qui le contrôle, mais là quand même, là le joueur il a pas fait ce que je lui ai demandé. Hein. Il a carrément fait l'inverse. Pas une bonne journée pour l'instant. Allez, 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 allez. La chance revient, je le sens. Le fluide. Pff. Et Welcott rate sa frappe. Amen. Toute droite. Qu'est-ce qu'il a fait? Foot au-dessus. Champion. De même champ. Welcott, dis-moi, où est-ce que t'as appris à tirer? J'ai pas l'impression que c'est Arsène Wenger qui t'a appris à tirer, hein, parce que je crois que c'est plus... c'est plus... Peggy la cochonne, là. Hein. Parce que là... Ouais. Désolé. Désolé les gars, mais quand même il faut noter que c'est la première passe PES que je mets depuis quand même depuis la nuit des temps, hein, parce que quand même vous l'avez vu dans pas mal de mes vidéos, j'ai essayé maintes et maintes fois, ça passait pas, hein, donc voilà, faut pas me dire que non plus elles réussissent tout le temps, hein, c'est la première fois qu'elles réussissent depuis depuis que j'étais sur PlayStation 3 je crois, ça fait déjà 3 mois, 4 mois, 3, je sais plus, ouais 3. S'il te plaît, t'es un Allemand, t'es supposé avoir la réputation des plus gros frappeurs. Et c'est quoi ça? Oui, non, enfin, des frappeurs plus des... Je crois que c'était les milieux défensifs et les défenseurs qui étaient les plus gros frappeurs et qui cadraient, hein. Rappelez-vous la vieille équipe d'Allemagne, là, Thorsten Frings, tout ça, là. Les gars, ils sont derrière et ils te mettaient des... Des tacos, même pas des tacos, mais vraiment des fusées autoguidées, des tomahawks. Alors que les attaquants, hein, ça dormait devant, hein, Podolski, tout ça, ça ronflait. Hein. C'était les milieux, les défenseurs, bientôt le gardien aussi qui marquait, hein, mais bon, voilà. Bon, peut-être que l'Allemagne va faire un beau parcours. Moi je pense peut-être, ouais. Bon, Paulinho, allez. Paulinho, s'il te plaît, je sais que tu peux mieux faire. Je voulais faire un crochet. Il m'a fait une passe. Nul, même en plus. Cours. Oh. 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 Allez. Oh. Non. Allez. Oui. Non. Oh. Putain, mais c'est pas vrai. Pour en plus cette fois là, la bicyclette elle était cadrée celle-là. Oh, c'est dégueulasse. Lukaku, hop, je le trouve un peu plus physique. Je sais pas, j'ai une impression qu'il est beaucoup plus fort physiquement. Il est beaucoup mieux. Ouais. Je trouve plus Lukaku. Ouais. Ouh. Oh. Un peu mieux, ouais. Sa vitesse est bonne. Ouais. La frappe, dommage, on n'a pas pu voir. Il a l'air fort physiquement, hein, il... Bon, heureusement que la mi-temps avait sonné. Pff, merci. Ah. Ouais, rage quitte. Il y a un 0 à la mi-temps, mais je m'en fous. Vas-y, rage quitte, dégage, oust. Oust, allez, va Joby. Mais tu sers à quoi? Allez, mais à quoi tu sers? Changement. Pff, en plus. Ouais, regarde-moi ce pigeon, quoi. Le mec, il sort son attaquant le plus puissant et il rentre Dzeko. Dzeko la poubelle. Désolé hein, pour ceux qui aiment bien Dzeko, mais moi je trouve que c'est une grosse poubelle. Même Welbeck, je trouve plus puissant que Dzeko. Non, non, on peut pas comparer ça. Il est pas lent. Plus Negredo, voilà. Negredo, il est plus puissant que Dzeko. Voilà. Bon, après Dzeko, bon, non, je retire. C'est pas une poubelle parce qu'après je vais avoir les rageux, ils vont me dire oui, c'est pas une poubelle, c'est toi la poubelle. Ne dis pas qu'un joueur c'est une poubelle. Tu l'as pas testé. Donc pardon, je retire, hein, je retire mon mot, hein, voilà. Comme ça au moins ça vous évitera de user vos doigts pour mettre connard sur un commentaire. Donc non, mais c'est plus voilà, c'est pas, je trouve pas des échos bons, voilà, c'est tout, voilà, c'est mieux, c'est plus propre, c'est plus gentil, voilà, c'est plus mature de dire ça, voilà, tout à fait, monsieur. Bon, revenons un peu dans le match parce que cette histoire ça pue là. Ouais, tu m'as pris pour dindon de la farce. Hein. Oh, quelle est belle. Oh, attends, c'est pas fini. Allez, raté. Ouais, mais là, pff, des fois, je sais pas, il y a des jeux se bloquent là. Je sais pas, je comprends pas. Non, 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 non. Oh, papa. Bon, peut-être qu'il va nous faire mentir, enfin me faire mentir. Mais bon, pour l'instant, Dzeko il m'a pas fait mentir pour l'instant. Enfin, je l'aime pas, voilà, je sais pas, je l'aime pas trop. Valoé. Au secours, ça bug. Serverier, s'il vous plaît. Non, non, je m'en fous. Voilà, tu t'es. Oh. 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 Non. Pitié, non. Et non, mais c'est un bug, monsieur l'arbitre, putain, mais va te faire enculer, quoi. Oh yeah, quoi, non, mais non, là, vous êtes pas sérieux. Un bug à cause de vos serveurs et l'arbitre qui se met... Et allez, un autre rouge. Mais allez, mais c'est bon, là, ça me donne même plus envie, là. Moi, là, tout ce que j'ai envie, c'est d'arrêter. Stop, on arrête tout. On arrête fut, c'est bon. Je sais pas, faites quelque chose avec vos serveurs. À cause de ça, je vais me prendre un péno. Parce que bon, j'arrive même plus à les arrêter, les pénalties. Voilà. Merci. Heureusement qu'encore j'ai eu un peu de chance. Non, mais y est là, s'il vous plaît. Soyez sérieux quand même. Faites une mise à jour. Faites quelque chose. Je sais pas, moi. Moi je serais d'avis, tous ceux qui ont une connexion qui flanche un peu, vous stoppez le match tout de suite. Ou voilà, comme j'avais dit, un filtre. Voilà, un filtre. Et allez. Ah, heureusement, putain, allez, de la chance. Ouf, un peu, quand même, il était temps un peu pour moi. Ouais, non mais voilà quoi, un filtre ou je sais pas, moi mettre... faire quelque chose, voilà, c'est tout. Faire quelque chose pour ça. Soit, je sais pas moi, enfin, nous... Je sais pas, refaire une mise à jour de vos serveurs, voilà, je sais pas, il y a des bugs là. Pourtant, moi je pense, enfin ma connexion, moi je suis sûr elle est bonne. Celle de l'autre personne, je pense qu'elle doit être bonne. Donc pourquoi ça nous fait bugger? Je comprends pas. C'est ça que j'arrive pas à capter, c'est que moi et mon adversaire, on bug. Enfin, il y a eu des bugs là, des trucs là. Faudrait qu'il nous explique là ce qui se passe. Non, 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 c'est pas ce que je voulais. Ah, là, c'est moi qui ai fait une couille, là. Oh. Et voilà. Pourquoi ça nous fait bugger? Je comprends pas. Et voilà. Ce PD a le droit de gagner. A le droit d'égaliser. Je comprends pas pourquoi Setch est sorti. Allez. Oh, j'ai envie de passer en div 3, bâtard. Alors tu vas me laisser tranquille. Tu vas aller te coucher. Tu vas me laisser jouer, s'il te plaît, ok? Allez, allez, bien sûr. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié. On a eu un rouge derrière. Donc je me fais mettre la quéquette parce que il me manque un def. Putain. À cause d'un bug et d'un arbitre débile. Ouais. Journée de merde. Voilà. Ouais, mais... Allez, et il continue ce connard d'arbitre. Il continue. Mais il continue. Allez, 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 les prospectus. Je vais te les carrer au cul, tu vas faire l'avion avec. Bon, je sais, je le mérite, mais ça commence à me saouler. On peut même plus rager tranquillement sans se prendre un carton jaune. Ah, mais... Pff. Encore celui-là, allez, je le mérite. Je me suis emporté parce que j'ai ragé. Mais je suis désolé, le rouge, il n'y était pas. Voilà, c'est tout, il n'y était pas. Faut arrêter, quoi. On touche la balle en premier, on a le malheur de faire tomber... non, en plus, je l'ai même pas fait tomber. À cause d'un bug, je sais pas trop ce qui s'est passé, mon défenseur, on dirait qu'il perdait l'équilibre. Et il a poussé avec sa tête l'autre joueur, sans faire exprès. Et on se prend un rouge pour ça. À cause d'un bug. Là, j'ai eu le droit de rager. Bon, encore. Le jaune, bon, je sais, j'étais en train de rager. Donc, bon. Allez, le jaune, je le mérite. Mais voilà, à cause de ce bâtard, si j'avais gagné, que je méritais, justement, on serait à 9 points au lieu de 7. Voilà. Hein? À cause, déjà, au premier match, les serveurs moisis. Deuxième match, encore moisi. Un peu moins, parce que je trouvais que là, au moins, ça marchait. Mais il y avait des bugs. Voilà. Il y avait des bugs. Donc c'est super, quoi. C'est fantastique, ouais, voilà. Bon, allez, on va ouvrir un pack, je m'en fous. Et puis merde, voilà. Bon, je sais pas... Ouais, voilà. Dorénavant, on va ouvrir un pack à chaque épisode. Et puis zut, hein. Voilà. Si on a de la chance un jour, ouais, bah tant mieux. Allez, hop. Et que de la merde. Allez, dehors. 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 Ok. Oh, ça j'en ai besoin. Youpi, le logo du Shakhtar. Waouh, ah, je suis heureux. N'importe quoi. Bon bah voilà, bah j'espère que cette vidéo, ouais, cette vidéo vous a plu quand même. Hein, désolé pour la défaite et le match nul. Voilà. Enfin bon, ça faut demander au serveur qui, bon bah apparemment déjà que ce matin ils étaient en panne, là bah il y a des bugs. Hein, je suis désolé, le premier match mes joueurs ils étaient lourds comme des parpaings. Deuxième match ça allait mais il y avait des bugs. Et donc l'adversaire a eu la chance d'en profiter. Avec un penalty qui devait pas être et un carton rouge qui lui non plus devait pas être là. Mais bon, après, tant pis, hein, c'est fait, c'est fait. C'est le jeu ma pauvre Lucette, vous allez me dire. Donc voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et on se retrouve pour de prochaines aventures. N'oubliez pas de me suivre aussi sur Twitter et puis ben à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.